Juste avant de commencer la vidéo, les amis, je veux juste vous préciser, mon Discord est maintenant ouvert, donc mon serveur Discord est maintenant ouvert, vous pouvez aller le joindre, on va pouvoir jouer ensemble, également peut-être faire quelques tournages ensemble, etc. Donc bref, je vous mets ça dans la description. Puis également, je suis enfin prêt à faire des live streams sur Twitch, donc je vous laisse toutes les informations dans la description, et puis je vous souhaite une belle vidéo. Pussy. Oh my god, je l'ai fait rager mon gars! Nice! Let's go! Ah ben je pense que ça va être un petit peu plus simple que je l'ai. Yo tout le monde, c'est Lantas, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve sur Modern Warfare Warzone. On va essayer de gagner aujourd'hui une partie de Warzone avec un shotgun. Je vous montre ma classe juste ici, une classe relativement basique. J'ai les katanas en secondaire pour la simple et bonne raison que je veux garder Ghost. Donc sans plus attendre les gens, c'est parti! Ça fait un petit moment que j'ai pas joué pour être franc. La dernière fois que j'ai joué à Modern Warfare Warzone pour une vidéo, c'était donc un défi que j'ai malheureusement jamais fini, j'ai jamais réussi et j'ai vraiment pété un câble, j'ai arrêté de jouer pendant plusieurs semaines. Alright, let's go, c'est parti. Parfait. Ouh. Voyez à quel point j'adore Lumber, il y a tellement de stock. Je suis pas mal sûr que j'ai entendu quelqu'un là. Et voilà. Semblait aussi que j'avais entendu quelque chose. Et voilà, donc j'ai mon loadout. Ça m'a pris littéralement 10 secondes. C'est rien. Oh. Enemy dropping into the AO. Ça, c'est un easy kill. Dead. Sorry. C'était trop easy pour vrai. Ok, mais je comprends quand même pas où ce qui est l'autre que j'étais capable de voir là. Enemy spotted. Ah, il est drette là. What the hell is going on? Nope. Ah, damn it! Ouais, là, ça a moins bien été. En plus, j'ai tombé sur un gars qui avait un shotgun aussi. Ah, shit! Here we go again. Dead. Oh, les moves! Les moves, ils étaient mindful. Le gars. Ok, je vais juste reprendre mon loadout. En vrai, là, j'avais pas grand chose. J'avais pas tant d'argent non plus. On était encore top 26, pas si pire. Oh my god, j'ai peut-être pris le jackpot là, ici, là. Oh my god, what the hell? Insane! Ah, oh, j'ai un threat qui s'en vient. Nope. Je me suis fait défoncer. Ok. Quelque chose que je vous ai pas dit jusqu'à maintenant, là. Moi, j'ai un TDAH extrêmement, genre, pas nécessairement poussé, mais qui est quand même... Il est présent, on peut dire ça comme ça. Ce qui fait que, souvent, genre, je me dis, ok, on va prendre ça relax, on va essayer de se concentrer. Deux minutes plus tard, je chasse un gars que j'ai pas nécessairement besoin de chasser, puis que finalement, je me fais tuer par ce gars-là, justement. Donc, c'est ça mon problème qui se passe en ce moment. Genre, j'arrive pas à me concentrer comme il faut. C'est con, pour vrai. Nope. Il m'a surpris ce gars-là. My god. Listen up, soldier. Win here and you return to the front line. Hein? Sure. I mean, je vais le prendre. Sauf que là, je suis un peu triste parce qu'il y a quelqu'un à Lumber puis j'aimerais ça retourner là. C'est un début de game très difficile pour le joueur canadien. Enemy team is tracking your position. Et là là. Oh. Ah. Ça, pour être franc, c'est vraiment pas le shotgun que j'espérais là, mais on va faire avec. Là, j'ai pas de radar, je sais pas où ce qu'il est en plus. Oh. Dead. Ok, ça a bien été. Oh non, j'ai pas pris le... Merde, il y avait un capteur cardiaque là-bas, puis je l'ai comme pas pris pour une raison, je sais pas trop là. Ok, let's go. The fuck, c'est quoi l'affaire? Pourquoi que mes trucs sont buggés? Ma barre est buggée, c'est ça, tu me niaises? Oh non! Mais là, comment je suis posé de faire ça, moi? C'est ça, tu me niaises! Ouais, vous voyez comment il y a des bugs vraiment inutiles dans ce jeu-là? Là? Comme là, c'est comme une de mes dernières chances que je peux faire pendant mon tournage. J'ai un bug, fait que je peux même pas utiliser mon capteur cardiaque. Je vais me faire tuer à cause de ça, c'est sûr. Ouais, pour vrai, ça me met vraiment off.
Oh, allez, recon of the area. Over. Je vais essayer d'aller reprendre mon loadout, voir si ça pourrait peut-être pas arranger le bug. Inventory full. Ah! Il reste 44 personnes, j'ai un kill. Ok, je reviens. Ah, je suis pas mort. Holy hell. Faut que je suis pas mort, ok. Ouh, fallait vraiment que je me déplace pour 2 minutes. J'allais faire quelque chose de super important. Ok, la zone s'en vient même pas encore. Ah, je suis bien là. Ça m'a fait du bien, ça m'a fait respirer un petit peu. Ah, j'avais oublié que j'avais le putain de bug encore là. Donc la zone s'en va. Oh boy, dans un champ, ça c'est pas tant nice. Dead. Ok. Ciao. 23 personnes, 2 kills. Pas si mal. Je pense que je vais prendre le camion, je vais aller direct dans ça, puis je vais essayer de me faire un chemin à gaz là. Ça va être YOLO, je pense. YOLO time. Faut que je rentre là-dedans. Allô? J'espère qu'il n'y a pas personne ici. Nope. Ah! Il me fait peur, le gars. Oh my god! Quelques petites personnes qui ont droppé à Lumber quand même avec moi là. On va essayer de se trouver une arme le plus rapidement possible. Shotgun, exactement ce que j'ai de besoin. Merci. Hello. Dead. Bon ben un beau premier petit kill. Ça m'a fait du bien ça. Je voulais me défouler en début de game là. Ça a vraiment fait du bien. J'ai tellement appris à jouer à Warzone différemment que toutes les autres en fait. Parce que je fais tellement de petits défis ou ces affaires-là que genre je m'habitue en fait à jouer d'une certaine manière qui est normalement pas vraiment utilisé, ce qui fait que ça m'aide énormément en fait pour gagner des games ou pour aller loin dans une partie. J'ai quand même pas mal d'avantages à être dans des couloirs comme ça, c'est pour ça que je vais probablement rester aussi plus downtown ou ces places-là là, parce que ça va juste être avantageux pour moi en fait. Dead. Et voilà. Pussy. Oh my god, je l'ai fait rager mon gars. Nice, let's go. Il suffit juste de bien jouer avec le shotgun, puis en vrai, je pense qu'il y aurait pas trop de problèmes là. Nice, let's go. J'ai déjà 3 kills. C'est même rare en fait en début de game que j'ai autant de kills que ça. J'ai 19 000$ en plus. Hey, je peux pas être mieux que ça là. Le gars, il s'attendait que je parte en courant, mais en fait, je l'ai juste attendu puis il m'a rush tout seul. C'était trop facile. C'est vrai. Également, je lis tous vos commentaires, donc j'avais lu en fait récemment plusieurs commentaires qui me disaient « Écoute, prends un shotgun, puis fais une partie en Warzone avec ça. » Souvent, quand vous me donnez un défi, je vais souvent l'adapter à ce que j'aimerais proposer sur ma chaîne, mais la plupart du temps, là, je me base tout le temps sur des commentaires de mes abonnés. Si jamais ça vous tente de justement me donner un défi ou quoi que ce soit, là, n'hésitez vraiment pas de les écrire dans les commentaires, les amis. Je suis hyper bien en ce moment, je suis toute seule, je suis à Lumber. Je connais Lumber comme le fond de ma poche, pis c'est même pas une blague. En vrai, si on est capable de rester à Lumber le plus longtemps possible, ça me dérangerait même pas. J'adore Lumber, pour vrai. Je pense que beaucoup de gens qui le savent, là, sur ma chaîne, en fait, je drop la plupart du temps sur Lumber, parce que je sais qu'il y a énormément de stock, pis il y a jamais personne qui drop ici la plupart du temps. Moi, je suis genre vraiment à perfectionner un drop, puis tout le temps drop à la même place par la suite. La zone va pas finir à Lumber, mais si elle finit dans Downtown ou Stadium, j'aurais peut-être une bonne chance, pour vrai. Mon rêve, là... Ça serait de faire un défi puis de le réussir dans la première game. Genre un first try là, ça serait insane. Non, il m'a volé mon kill, come on. Oh my god, je vais essayer de m'éloigner, ça va être clairement dans Downtown. Ouais, c'est stressant lui, il me gosse. Dead. Et voilà, c'est mal qu'on fait. J'ai dû temporiser ce gars-là, il était vraiment sur mon dos tout le long là. Nice, je vais aller chercher la petite buy station juste ici, let's go. Ça va super bien, il reste 24 personnes. J'ai 4 kills, bah 23 personnes finalement.
Ouais, c'était ça mon problème, je le savais que c'est ça qui allait être mon problème. Nope. Non, j'aurais pu... Ah, oh, j'ai mon goulag encore, c'est vrai. Oh my god, ça c'est pas une très... Dead. Oh yes. Ok, ce gars-là, il est encore là. Je suis prêt à aller chercher mes choses, c'est sûr. Je pense que je vais attendre un autre colis, je pense. Ok, go. Ciao. Ok, je vais aller chercher ma classe direct parce que j'ai pas fantôme, là. Oh my god. En plein milieu d'un champ comme ça, j'aime pas ça. Oh là là. Ok. J'ai ma classe complète maintenant. Nice. Oh! Wow! Le monde va tous être sur des toits, hein? C'est ça le problème. Faudrait que je me mette sur un toit puis que je bouge pas, en fait. Cette building-là, il pourrait être sympa pour eux si je suis capable de monter en haut. Je sais pas s'il y a du monde, par contre, là. Ah, il y a clairement du monde, c'est sûr. Hein? Je vais temporiser, je pense. Je vais juste attendre que quelqu'un qui descend ou peut-être qui fait quelque chose d'autre, je sais pas, là. Je vais essayer de rester dans le coin ici. Je vais attendre que la zone, elle bouge. Puis je vais vraiment la suivre de très près. Comme ça, ça va m'éviter bien des choses, je pense, là. Voilà. Go for it. Lui, je le rush. Dead. Nope. Non, il y avait encore quelqu'un. Non. Ok, c'est pas grave. Je suis quand même primé pour eux. Ça a super bien été. J'ai fait 6 kills. 1391 de dommages quand même. J'ai fait 2 contrats. Écoutez, j'espère vraiment que vous avez bien aimé la vidéo. Commentez, likez, partagez la vidéo si ça vous tente. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas à me suivre sur tous les réseaux sociaux en bas dans la description. Et puis non, écoutez, on va se retrouver pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.